Salut à tous, c'est Didier, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, présentation de carte Terre du Grand Fleuve. Donc voilà, visuellement, l'image est assez sympa. Et il y a une petite particularité aussi, c'est que voilà, il y a une ville et vous pouvez tondre la pelouse pour, voilà, pour les particuliers, comme dans la vraie vie, quoi. Donc voilà, vous spawnez ici donc au magasin. Voilà, vers le magasin tout du moins. Donc voilà, hein, c'est un petit peu le magasin de Creek. Le disposer un petit peu différemment. Voilà, vous avez la route, etc. Donc, on va voir le PDA ensemble. Voilà, c'est pas des champs droits, c'est pas. Voilà, il y a un petit peu toutes les formes. Hein. C'est assez espacé, vous avez toutes les zones, voilà, ici pour. Voilà, que vous pouvez acheter, vous agrandir, couper les arbres, etc. Voilà, c'est un petit peu mixte forestier, etc. Donc vous n'avez pas de nouvelles cultures, donc sauf si vous avez le DLC Premium Expansion. Donc, voilà, hein, le magasin se trouve ici. Vous avez la boulangerie, vous avez les produits laitiers, la filature, la menuiserie, l'usine de céréales. Donc voilà. Après vous avez quelques points de vente. Voilà, la machine pour les pierres, la centrale électrique, votre maison ici. Voilà, c'est soft, c'est basique, hein, mais voilà, ça a l'air assez sympa. Donc là, on va voir ici un petit peu ce qu'il y a. Après, je pense que c'est par ici que vous pouvez tondre les terrains avec une petite machine, etc. Voilà, ça peut vous faire peut-être un petit revenu. Après, c'est à vous d'essayer, hein. Après, je ne fais pas la démo. Donc voilà, vous avez un pâturage pour les poules. Donc vous avez déjà des poules de préinstallées. Donc voilà, vous n'avez pas les nouveaux animaux, hein, c'est simplement basique. Voilà, c'est les animaux de base du jeu. Et voilà un petit peu votre corps de ferme. Après, ben voilà, hein, vous pouvez supprimer les barrières, vous agrandir un petit peu, couper la forêt, etc. Si vous souhaitez vous agrandir un petit peu plus. Donc voilà, hein, vous avez quelques objets. Il y en a plus de 100 à trouver. Donc voilà, il y en a déjà deux ici, si jamais ça vous intéresse. Et voilà, on a donné à manger aux chiens par la même occasion. Et après, ben voilà. Vous commencez donc avec un pick-up, une John Deere T560, un John Deere 7810, un John Deere 6R, un John Deere 8RT, un Zetor. Voilà avec quoi vous commencez sur la partie.
Voilà, et là on va faire un petit tour. Hein. Voilà, les champs sont quand même assez grands. Voilà, les pylônes, voilà, ils sont pas dans le champ, donc ça peut aussi vous avantager, sauf si vous agrandissez les champs, quoi, vous serez un petit peu embêté pour la tourner autour. Et voilà, il y a moyen de quoi faire. Voilà, et puis ici, ben voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez des zones, voilà, vous pouvez directement faucher l'herbe ou voilà, pour vos animaux ou pour vos bunkers, etc. Donc là, voilà, vous arrivez au bord de carte. Voilà, avec quelques productions, bon, ça a l'air d'être assez plat quand même. Voilà, vous voyez, je suis déjà au corps de ferme. Et après, ben voilà, c'est un petit peu à vous de faire parler votre imagination. Donc en espérant que cette carte vous plaira, et ben moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao!